Le retour de Simon Jean-Joseph en championnat de France laisse espérer qu'il mènera la vie dure à Philippe Bugalski et sa nouvelle Xara T4. En effet, Simon s'est donné les moyens de ses ambitions avec une Subaru WRC flambant neuve, arrivant tout droit d'Angleterre. Nous étions présents quand la voiture est arrivée, et ce, 2 jours avant le départ du Charbon, ce qui laissera évidemment peu de temps à Simon pour la régler correctement. Elle a été pesée ou pas? Non. Ce qu'il faudra, c'est qu'on puisse faire passer les balances. Par contre, pour la conduire, mon pote, avec une basket, ton pied passe pas là. Quand je tombe de pilote, t'arrives pas à baser le pied, j'étais dans ma pointe. Entre les deux, il n'y a pas assez de place. Je vais pas essayer. Par contre, faut faire gaffe aux positions, pourtant. Je te montrerai aussi. Parce qu'il y a des réglages à vérifier sur la position de pédale. Ça va pas bouger. Si la pédale se déforme un peu. Il y a deux valeurs. T'as la valeur à l'écran ou à la condition de monnaie. T'as la valeur position pédale et la valeur. Si ta pédale s'écrase un peu ou se déforme, t'as plus le même là-bas et là-bas, il faut comprendre. Il ne faut pas dépasser certaines valeurs. Donc quand ta pédale, c'est toujours la valeur ici. Si c'est TPS, c'est valeur papillon. Ils n'avaient pas la commande longue. La commande longue pour eux. Ils n'avaient pas. On a eu des longues à chaque fois que je versais. Celle-ci c'est une courte ou une longue? Non, c'est une longue. 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 Un double versé à côté longue. Il faudrait demander à fermer le capot à l'avant. Mais je suis trop haut. Putain, ça, je vais t'emmerder avec ça. Tu as des cales là? Il faudrait que tu me mettes des cales et que tu me redescendes un tout petit peu, mais que tu me mettes 10 mm. Ouais. Et le siège, même inclinaison. Même inclinaison, mais en bas. Un cran. Ouais. Ou alors, tu sais ce qu'on essaye? Tu descends pour l'instant l'arrière d'un cran. L'arrière seulement. Un cran. D'abord pour Jack le siège. Je pense qu'on est pas loin du couvert. Ouais. Pour démarrer. Les boîtiers Peltor. Ça aussi. Est-ce qu'il y a des piles dedans? Putain, les nouveaux casques, ça fait bizarre. Il y a des piles de mille dedans. Nouveau. Ouais, j'ai jamais mis celui-là. Tu l'avais jamais mis? Non. Juste un peu. Et changer les ressorts. Le poil plus dur ou beaucoup plus
entouré de l'équipe Silti Sport qui aura à charge de faire évoluer. Simon s'emploiera à faire modifier quelques réglages, notamment sur les suspensions. La Subaru s'avérant très survireuse. Le reste du temps, il fit quelques allers et retours qui apporteront à chaque passage une foule en compte. Mais tout le monde était bien d'accord pour dire que 3 heures d'essai, c'est un peu court pour que la voiture et son pilote soient au top pour affronter la première épreuve du championnat. Derrière la Xara et la Subaru, la troisième place sera très convoitée et ne devrait pas échapper à une kit car. Nous avons suivi pendant ces essais celui qui l'année dernière était déjà monté sur la troisième marche du podium et qui cette année compte bien refaire le coup. Il est vrai que pour cela, toute l'équipe BSA lui a concocté une 306 Maxi dotée des dernières évolutions moteur et surtout de l'antipatinage. Comme vous allez le voir, Cyril s'en est donné à cœur joie. Où le chien ? Ouais. Thank you.
moins violent le fait d'avoir la boîte 6, puisque tu allonges un peu plus les rapports. Ouais. Au passage de rapport, tu es moins coup de pompe, quoi, moins brusque. Par contre, on le ressent tout de suite, c'est dans le glissant, ça paraît être un avantage. Hein. Ouais, parce que tu as vu, là, regarde, tu as vu quand il remonte, il engage en deux et tout de suite, paf, il met la 3. La 3, et on l'emmène jusqu'à la sortie de l'enfilade. Ouais, ouais. Ça, c'est super. Jusqu'à la sortie de l'enfilade, on emmène la 3. Ça roule juste ce qu'il faut de l'arrière. Ouais, gros. Mais, ça a bien passé. Ouais, hein. Oui, là, tu as vu, je t'ai fait signe, là, le passage, il était, était bien. Donc, juste, la dérive, juste ce qu'il te faut pour être droit et puis remettre le coup de gaz qu'il te faut. Bien. Un ambiant très agréable. C'est vrai, c'est le pied à côté. Ouais. Ah oui, là, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Là, ça freine trop fort. Hein. C'est superbe. Mais c'est après, c'est le coup à prendre. Il faut prendre l'œil de se dire que quand tu as envie de freiner, tu attends encore un petit peu le petit game qui te fait que... Ouais. Parce que là, tu appuies. Mais en fin de compte, on relâche avant de rentrer dans le virage. Ouais. À chaque fois, on relâchait les freins avant de rentrer dans le virage. Parce qu'elle a oublié que c'est le premier jour après l'hiver. Oui, oui, non mais... Pour reprendre ses marques. C'est pas moi qui fais signer les contrats. Non, non, mais pour dire... Il n'y a qu'un étagement de bloqué. Mais là, moi, j'ai l'oreille de Yuri. Tu sens vraiment que ça monte plus. Là, par contre, on va... Je vais récupérer les jets. Tu démontes le siège, tu regardes à peu près les réglages sur celle-là, ouais. Et puis tu mets les mêmes réglages sur l'autre. C'est les mêmes glissières. C'est les mêmes supports d'avant, c'est la même torque et tout. Ouais, c'est les mêmes torques. Donc, même siège. Même siège. Tu marqueras pas l'heure où on est sorti, ni ce qu'on aime. C'est filmé.